Parce que derrière la figure d'une jeune fille qui veut faire prendre conscience à la terre entière que tout se casse la gueule, il y a quand même des gens, notamment sa famille, qui à la fin, ils sont pas contre pour prendre un petit billet. Ce que je te dis, c'est d'après un article qui a été écrit par la députée Europe Écologie Les Verts, Isabelle Attard. Article a été publié sur Reporter, où Isabelle Attard dit que, avant l'éclosion du raz-de-marée Greta Thunberg, sa famille avait été contactée par un certain Ingmar Rentzhog. Alors, avec un nom comme ça, t'es forcément des pays du nord de l'Europe, ou alors t'es un meuble chez Ikea. Et ce fameux Ingmar Rentzhog, il est à la tête d'une start-up écolo qui s'appelle We Don't Have Time, qui veut dire on n'a pas franchement trop le temps, pour ceux qui parlent pas la langue de Shakespeare. Et cette start-up écolo, elle a très vite nommé Greta Thunberg comme conseillère spéciale. Bon, la fille a moins de 16 ans, mais c'est pas grave, elle est conseillère spéciale. Et peu de temps après cette nomination et au moment de l'éclosion du phénomène Greta Thunberg, la start-up a levé 10 millions de couronnes en investissement. Elle est pas belle la salade? Quoi? T'es en train de dire que Greta Thunberg, en fait, c'est un nouveau phénomène du capitalisme vert et du business écolo? Je respecte ton propos qui n'engage que toi. Mais bon, attention, hein, parce qu'il faut rendre à César tout ce qui appartient à la salade. Greta Thunberg, sur les réseaux sociaux, elle l'a bien dit. Je fais ça de ma propre initiative. Donc, voilà, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai que Greta, faut pas la faire chier. Parce que sa mère, dans le livre que la famille a coécrit, hein, l'autobiographie sur cette célèbre famille, alors ils sont célèbres dans leur rue, mais bon, ça valait un livre, ça valait un livre. La mère de Greta Thunberg, il a dit dans ce livre que Greta, alors là accroche-toi à ton slip, Greta était capable de voir le CO2 à l'œil nu. Quoi, on nous prend pour des cons? C'est pas impossible, c'est pas impossible.